Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo annonce, une vidéo un petit peu particulière. Vous l'avez en fond sur Rise of the Tomb Raider. Donc, le fond, c'est plus pour avoir un gameplay qu'autre chose. Hein, je vous avouerai que c'est pas le plus important. Le plus important est qu'il va y avoir un vrai changement radical sur ma chaîne pour deux raisons. Alors, et d'une, pendant très longtemps, on va dire, j'ai fait abstraction de tous les haters et de tous les cons qui ont rien d'autre à foutre que de venir dire que tout ce que je fais c'est nul. Et en fait, à force, c'est en train de muser, sérieusement. Et je me suis posé la question quand même carrément à savoir si j'arrêtais ou pas mes vidéos. Et en fait, j'en suis venu à... J'en suis venu à la conclusion que j'allais pas arrêter, mais que j'allais revenir à ce qu'était ma chaîne au tout début, c'est-à-dire une chaîne avec du foot. Et je vais donc vraiment principalement garder FIFA PES. Et là, je vais finir le let's play de Naruto. Et après, vous n'aurez quasiment plus de let's play. Ou alors, il faudra vraiment que je trouve un jeu qui me... c'est pas qu'il me fasse vraiment envie, c'est que un jeu que je prendrais plaisir à faire sans me forcer, sans contrainte. Voilà, c'est un peu ça. Donc il faudra vraiment qu'il y ait un jeu comme ça. Pour le moment, voilà, moi je prends du plaisir à faire des vidéos, du moins à jouer. Par exemple sur Tomb Raider, je joue une demi-heure, 40 minutes. Mais j'ai pas d'objectif particulier et je peux jouer à n'importe quel moment de la journée. C'est ça qui m'intéresse. Toi, dégage. Toi, oh, je l'ai pas eu. Wow. Donc voilà pour les changements à apporter sur ma chaîne. Vous l'aurez compris. Là, dégage. Faut que je prenne un peu de vie. Alors je vais passer cette phase d'action là pour finir. Voilà. Alors, je les ai eu ou pas? Oui, il en reste. Ah, c'est de l'autre côté. Donc oui, allez, je vais revenir à ce que je vous disais. Donc voilà, il va y avoir du PES. Je vais reprendre PES. Pourquoi je vais reprendre PES? Parce que voilà, avec sur FIFA, je vais garder FIFA pour mon mode, mon joueur, hein, bien sûr. Et je vais reprendre PES. Je vais arrêter ma carrière manager sur FIFA avec Marseille. J'ai tout gagné, faut être honnête. Hein, je gagnerai pas plus. Donc, je vais prendre une carrière sur PES. Je vais dans les commentaires, du moins dans la description. Je vais vous renvoyer un lien Twitter avec trois équipes, un sondage, voilà, vous aurez le choix entre trois équipes et je prendrai l'équipe que vous aurez choisi et je recommencerai une carrière manager sur PES. Voilà, PES a toujours été mon jeu. Alors je veux quand même essayer de relaisser une chance à PES 2016. Hein. Et à la sortie du DLC sur l'Euro, vous aurez une série comme j'avais fait avec la Coupe du Monde. Voilà, une série rapide sur l'Euro avec l'équipe de France. Hein. Ça ne sera pas avec une autre équipe, ne vous attendez pas à autre chose. Je vais mettre la pause 2 secondes. Donc voilà pour ça. Même pas, je n'ai même pas besoin. Pour ce qui est des explications pour... voilà, vous avez eu... Il y a les haters et puis il y a aussi que... vous savez, j'ai eu une petite fille, donc c'est vrai que ça prend du temps. Et puis il m'est arrivé autre chose un peu plus personnel. Voilà, j'ai perdu mon travail, donc il va falloir que je me concentre aussi sur le fait de récupérer un boulot, hein, parce que je peux pas me contenter de jouer aux jeux vidéo. Hein, c'est pas ça qui fait gagner sa vie. Donc c'est des périodes qui sont un petit peu compliquées. Et autant quand tout va bien, bah les haters, on en fait abstraction. Autant quand des fois ça va pas forcément très bien, ce genre de mec, honnêtement, on les aura en face de nous. Je pense que je serais capable du pire. Hein. Voilà, faut être honnête. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est des périodes qui sont pas simples.
Donc je vais ralentir grandement la cadence de vidéo. Vous aurez plus que 3 vidéos par semaine. Ça me laissera... Enfin, 3 vidéos. 3 vidéos, on va dire, entre guillemets, travailler. Pourquoi je dis travailler? Parce que vous aurez des vidéos sur The Division, mais qui, moi, me demanderont pas du temps de jeu en plus, parce que c'est des vidéos que je vais faire avec Binge, avec Psychiday. Et vous le savez, voilà, on se retrouve 2 à 3 soirs par semaine pour jouer ensemble. Donc ça sera du temps, c'est du temps de jeu que j'ai déjà tous les soirs, ou pas loin. Et donc c'est vrai que c'est pas quelque chose que je vais devoir faire en plus. Quand je dis moins travailler, c'est parce que ça me demande moins de temps de jeu. Voilà, toi dégage. Dégage. Il est où lui? Il jette des grenades mais je le vois pas. Par là, là. Ok. Ouais, c'est efficace quand même les grenades explosives. Ah, très bien. Allez, ok. Par contre, faut que je refasse des mines d'arc. Donc voilà, vous aurez compris le but de ma vidéo. Hein, c'est vraiment... vous dire que la chaîne va redevenir ce qu'elle était devenue au tout début, c'est-à-dire une chaîne sur le sport avec quelques peut-être des let's play de temps en temps. Voilà, moi je finis Naruto parce que Naruto, je suis vraiment fan de Naruto, donc je me vois pas arrêter la série là. Et c'est vrai que je m'étais un petit peu éparpillé, j'ai proposé un petit peu trop de trucs. Voilà, par exemple on m'a un petit peu taquiné sur The Witcher. C'est vrai que j'ai attaqué The Witcher que j'ai pas fini. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. J'ai plus envie, je préfère me concentrer sur deux jeux, un jeu tout le temps, c'est-à-dire FIFA et PES, et éventuellement un let's play, pas sûr. C'est vrai que c'est... Voilà, encore une fois, c'est pas simple. Et puis si d'avenir je devais trouver un travail qui me prend beaucoup de temps, Et bah ma foi, hein, je serai contraint de fermer ma chaîne. Et encore une fois, je fais pas... C'est vrai que j'ai jamais fait ça pour quoi que ce soit d'autre que par passion. Juste parce que j'aimais ça. Ça a toujours été ce qui me faisait avancer. C'est vrai que le fait d'en venir à me poser la question de savoir si je continue ou pas, eh bien, ça fait que on se remet en question. Et puis... Et puis voilà, c'est... Il faut savoir, déjà, et d'une, il faut savoir se remettre en question, c'est important. Et puis quand on le fait, il faut le faire comme il faut. C'est pas la peine de dire ouais, non, en fait, je continue. Faut pas continuer pour continuer. C'est pas la peine. Allez, on va continuer un tout petit peu la vidéo. Hein. C'est vrai qu'elle est pas très longue pour le moment. Le but, quand même, c'est de vous montrer un petit peu aussi ce qu'est ce Tomb Raider. Et moi, Tomb Raider, je vous avoue que je prends énormément de plaisir dessus. C'est un truc vraiment de malade. J'essaye de le faire quasiment à 100%. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un jeu à 100%. Là, j'ai fait tous les tombeaux qui m'étaient possible de faire à mon niveau. Parce qu'il y en a qu'on peut pas faire. Parce qu'on n'a pas les outils adéquats. Oh. Il y en a tout. Ça va te faire bizarre, toi. Ah oui! Lui, j'y vise quand même. Elle est censée aller sur lui. Alors, je joue avec la manette hein, sur Tomb Raider parce que je trouve que, quand même, Tomb Raider c'est un peu plus simple à la manette. Je sais pas pourquoi. Oh, toi. Reste tranquille. Oh ouf. Ah oui, c'est moi qui ai pris là. Ok. C'est pas le but. Là. C'est un peu plus logique comme ça. J'ai pas très bien joué mon premier coup. Voilà. J'ai pas utilisé de munitions. C'est vrai que j'utilise très peu l'arme à feu. Hein. Honnêtement, je prends vraiment du plaisir avec l'arc. Donc je vois pas l'intérêt d'utiliser mes pistolets et tout. Certains ont trouvé ça peut-être un peu particulier, mais j'assume.
Je trouve ça plus fun en fait. Vraiment plus fun d'utiliser juste l'arc et pas d'utiliser de les guns. Ici équipe 5, on se dirige vers les catacombes. On va avoir besoin de renforts. Bien reçu, on arrive. On pourrait régler ça vite fait en leur lançant quelques grenades, non? Non, la place est... Qu'est-ce que c'était? Elle est là, par ici! Et plutôt deux fois qu'une. Oh, je suis vert. Normalement, j'avais bien pris les trois. Hein. Tenez cette position. Bon, on va utiliser un peu le gun. Voilà. Ah putain. Par contre. Tire en pleine tête. C'est bon. Ah, la tête là. Je vous attends les gars. Ouais. Miss Croft. Voilà. Toi, pleine tête. Toi, pleine tête. Ah, je prends mon temps pour viser, hein. Voilà, viens là, toi. Ok, il en reste ou pas? Non. Ah si, il reste les gros. Ok. Ben voilà. Y'en a d'autres? Je crois que j'ai bien travaillé là. J'ai visé au bon endroit. Jacob, ils sont partis. Ce n'est que le début des hostilités. Bon, voilà. Vraiment, vous aurez compris le principe. Hein. Vraiment revenir aux fondamentaux de ma chaîne. Déjà, j'aurai aussi plus de temps pour faire les montages, donc ça sera peut-être un peu plus travaillé. Certains ont relevé que... Enfin, ont relevé. M'ont fait le commentaire qu'il y avait pas mal de bugs. Là, il faut pas oublier un truc. C'est que moi, je fais mes montages, je contrôle. Si après, il y a, comme la dernière fois, il y a eu, on n'entendait plus de son du tout, je l'ai expliqué, il suffit de lire les commentaires au lieu de venir râler après en disant qu'il y a des bugs, je l'ai expliqué. Il y a eu des problèmes de musique avec des droits d'auteur, YouTube m'a trouvé des droits d'auteur, et il fallait soit que je bloque la vidéo, donc vous ne l'auriez pas vu, soit que j'enlève cette partie sonore là, donc enlever la musique. Comme allez, le montage est fait, ça revient à enlever divine, ma voix. Il y a plein de petites choses comme ça. Après, les gens ne veulent pas comprendre que je loupe un, deux montages de temps en temps, je veux bien. Mais sur les principaux bugs que j'ai eu, YouTube, YouTube fait un traitement après. Mais il ça leur arrive aussi de faire des conneries. Malheureusement, c'est comme ça. Oui. Ils veulent répandre leur idéologie à travers le monde. Avec la source, leurs soldats deviendraient indestructibles. Alors il faut que vous m'aidiez à mettre la main dessus avant eux. Ce n'est pas votre fardeau. Bien sûr que si. Mon père a donné sa vie pour ça. Vous ne pourrez jamais combler le vide qui est en vous. Vous devez vous en libérer. J'arriverai à la trouver. Avec ou sans votre aide. Vaudrait mieux avec quand même. Ça serait pas plus mal. Attends, Sophia, laisse-moi partir. Je dois finir ce que j'ai commencé. Tu as versé du sang pour nous. Je veux t'aider. Tu sais où se trouve l'Atlas? À la cathédrale. Dans les archives au sous-sol. Mais on ne viendra pas avec toi. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais y trouver? Il y a une autre armée. Les immortels. Ils tuent tous ceux qui représentent une menace. D'après mon père, ils arrêteront les Trinitaires. Je ne parierai pas là-dessus. Je sais. Ah, qu'est-ce que tu viens de me donner? Tiens. Merci. Ça t'aidera à atteindre la cathédrale. Ah, désolé, j'ai entendu un peu de bruit. C'est pas grand-chose, c'est juste un poster qui vient de... descendre dans ma pièce. Pas très grave. Bon, là, je viens de récupérer un outil. Ça va être le fil de fer. Voilà, c'est ça. C'est un outil qu'il me fallait pour... Merde.
Ah, je peux pas remonter du coup là-haut. Pour accéder à un des tombeaux. Tac, allez. En l'air. Appuyez pour déployer le piolet grappin. D'accord. Ok. Ça, ça y était pas dans le précédent épisode. C'est plutôt intéressant. On se renouvelle un petit peu, c'est bien. C'est bien de rajouter des petits trucs. Pendant le saut pour atteindre les corniches les plus éloignées. D'accord, ouais, c'est vraiment pas mal. Ça va être intéressant, ça. Alors, par contre, faut que je récupère. J'ai pas mal de choses à récupérer. Les profondeurs de la terre elle-même nous offrent leur richesse. Alors ça, je les lis après, moi, toujours. Je perds pas de temps dans le jeu, c'est comme je veux quitter que je lis les trucs. Hein. Clac, allez, encore. Allez, 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 allez. Moi, j'ai le poster qui tombe complètement, là. Vous risquez de là. Eh bien, du coup, je suis tombé. Il n'y a pas que le poster qui est tombé. Je pense que vous allez l'entendre tomber définitivement. Là. Allez. Ok, continuons. Ah, c'est vraiment super pratique. La mécanique de jeu est bien pensée quand même dans Tomb Raider. Là. Ils ont vraiment fait du gros travail. Lara, si tu vas à la cathédrale, les trinitaires seront partout. Je sais, mais je n'ai pas d'autre choix. Avec un peu de chance, je vais récupérer le dernier truc pour le pistolet à verrou. Ah, pied de pistolet, pièce de pistolet lourd, on s'en fout de ça. Ok. Allez, feu de camp. Bon bah écoutez, pour cette vidéo, on va se laisser là. Vous aurez compris un petit peu le principal but de cette vidéo, donc un remaniement à venir sur ma chaîne. Donc là, on est vendredi quand vous voyez cette vidéo. Je vais laisser le sondage actif jusqu'à... jusqu'à, on va dire, vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à mercredi prochain. Voilà, ça fait 5 jours. Ça vous laisse le temps de répondre au sondage, d'aller sur le lien Twitter dans la description, de répondre au sondage, moi de lancer après ma carrière manager. Donc voilà, le remaniement sur ma chaîne arrivera à ce moment-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner. Si vous avez envie de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, écoutez, on se retrouve très rapidement avec de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao.